Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui un tuto très très rapide, je pense que je vais battre mon record à tout jamais. Ça concerne le Husqvarna YTH 150. Dernièrement j'avais un bruit de transmission, c'est-à-dire que quand j'avançais ou que je reculais, j'entendais un bruit comme ça, un peu de ferraille là, donc très suspect. Donc évidemment j'ai arrêté de m'en servir, je l'ai garé. Et donc ce que j'ai fait, j'ai cherché à voir si j'avais pas un souci au niveau de l'huile de transmission. Alors au départ, j'avais fait une recherche sous Google qui disait que en fait les boîtes étaient isolées, enfin étaient hermétiquement fermées et qu'on ne pouvait pas refaire le niveau. Alors, en fait, c'est de la connerie. Donc il suffit de démonter le panneau ici, il y a deux vis de chaque côté. Alors pour mon modèle à moi, comme c'est des grosses roues à l'arrière, j'ai été obligé de lever avec un cric par en dessous et de défaire les roues pour pouvoir accéder facilement au boulon sur les côtés. Donc on enlève la grosse plaque là, on accède à ça. Alors ça, en fait, c'est le trop-plein. On peut l'enlever comme ça, hein, bon. Alors ici c'est du 17, on ouvre, on met un entonnoir et on peut mettre de l'huile. Alors c'est de la 10W40 ou 15W40, moi on m'a recommandé de la 15W40, donc de voiture, hein, diesel, essence, apparemment c'est pas un problème. Et il faut remplir aux 3/4. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai pris un bout de fil électrique, peu importe, n'importe quoi, on met dedans. Et en fait, après, on va essayer de mesurer la distance, hein, entre la distance totale et ce qu'on va laisser d'air dans la boîte. Donc, en gros, moi, j'ai laissé 5 cm d'air en haut ici. Et donc, j'ai remonté mon niveau, puisque, en fait, ce que j'avais vu, c'est quand même, c'était bien gras, donc c'est bien de l'huile qui est partie de la boîte, hein. Donc, j'ai remis de l'huile, j'ai redémarré et j'avais plus de bruit. Donc, voilà. Alors, merci encore à Loisir Service à Caudan. Je vous mets le lien en description. Je précise quand même que je suis passé les voir physiquement, hein, hier en fin de journée, où un mécanicien m'a donné donc les conseils que je vous ai dit. Et ce matin, donc j'avais quand même un doute sur l'histoire du niveau, j'avais pas bien compris ce qu'il m'avait dit, enfin, je m'attendais pas à voir ça. Du coup, j'ai rappelé au téléphone et ils m'ont donné le complément d'information et une autre personne en fait, hein, donc c'était même pas le même gars, mais il m'a quand même donné le complément d'information. Donc vraiment un grand merci à eux. Bon, ben moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt, salut!